Wassalam, alaikum à tous mes très chers abonnés, c'est GameX13. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo très très particulière. Donc c'est pour vous parler, bien sûr, de ma première peur. Donc je ne fais pas cette vidéo là pour copier des amis ou certaines personnes, mais parce que beaucoup d'abonnés me l'ont demandé. Ouais GameX13, c'était quoi ta plus grosse peur et tout ça. Donc voilà, je leur ai dit écoutez, je vous ferai peut-être une vidéo sûrement, et puis aujourd'hui voilà, je voulais vous la faire. Donc vous allez voir que ma première peur, les gars, bien sûr, je vais pas vous parler que de ma vie et ma première peur, je vais vous dire un truc à la fin que je pense qui va vous intéresser. Donc tout d'abord déjà, ma première peur, c'est un jour, j'étais à la rue d'Aubagne, donc à Marseille, là où j'habitais avant à l'époque quand j'étais plus jeune, et j'ai un pote qui avait un Rottweiler, et je me souviens que ce Rottweiler-là s'appelait Paco, je crois, ouais, Paco, et un jour, il avait dit à son chien, donc, pour délirer, il m'avait prévenu, heureusement, qu'il allait dire à son chien de m'attaquer, mais qu'il allait lui dire de revenir. Vous voyez? Donc moi je me suis mis déjà beaucoup plus loin que le chien et il a dit à son chien de m'attaquer alors que son chien l'écoutait super bien avant. À ce moment-là, son chien n'a pas voulu l'écouter. Donc il a dit à Paco en gros vas-y. En fait, il disait à Paco, il lui disait pas d'attaquer, il lui disait pas attaque. Non, il lui disait qu'est-ce que c'est? Et le chien ça l'énervait quand il disait qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et genre il a dit qu'est-ce que c'est à Paco et il a lâché Paco sur moi et Paco il a commencé à me courir derrière et moi je courais comme un malade. Et vous savez, il y avait des voitures garé sur le côté droit et je suis monté sur les voitures et je courais, je sautais de voiture en voiture et le chien il me courait derrière. Et vous savez ce jour-là qu'est-ce qui m'est arrivé les gars? Oh, je courais tellement vite, la tête de ma mère, si tu mets le Usain Bolt à côté, je lui fume sa race, la tête de ma mère je le fume. Vous savez, là je vais vous parler du moment, vous savez comment un être humain avec la peur, en quoi il peut se transformer? Même vous, même toi frère, avec la peur t'es une machine frère, t'es une machine, une machine. Oh, je courais à une vitesse, le yinche, le rot, il arrivait même pas à me rattraper. Bon, j'avais un truc, c'est que je sautais de voiture en voiture. Au dernier moment, quand le chien a commencé à me remonter, il s'est arrêté, il a écouté 100 mètres, il est retourné. Mais je peux vous dire que d'ici là, les gars, j'ai sprinté ma race. J'ai sprinté ma race. Et moi-même, tellement avec la peur et le cœur qui bat, frère, je me suis fait peur à moi-même avec la vitesse. Pour vous dire qu'un humain avec la peur et la volonté, il peut soulever des montagnes. C'est ça qu'on dit souvent, qu'on dit dans un proverbe, un humain, je sais pas, avec de la volonté ou un truc comme ça, tu peux soulever une montagne. Je te jure que ce jour-là, et je crois que je ne dis pas de conneries parce que vous qui me regardez, un jour ça vous arrivera, une connerie comme ça. Ça vous arrivera, une crasse comme celle-là. Un mec qui va lâcher un chien ou un chien qui va vous courir derrière. Mais sauf que ce jour-là, vous aurez tellement le gilb, le cœur, frère, qui va battre à 3000 km/h. Je te jure, tu mets un guépard à côté, limite, tu lui fumes sa race. Avec la peur, la peur. Écoute, franchement, tu vas pas être un TGV non plus. Mais avec la peur, tu sais pas, frère. Tu sais pas ce que chaque être humain en lui, il cache comme force. On a tous, un autre nous caché. Tous. Un jour, tu vas te fight avec 5 mecs. Il va t'envoyer une droite. Tu vas tellement t'énerver, frère. Tu vas tellement. Je vais te dire en arabe un mot. Tu vas tellement t'ehbel. T'ehbel, tu deviens fou. Toi-même, frère, tu te connais même pas. Je te jure que tu te connais même pas. Tu vas t'énerver toi-même. Tu seras même plus toi-même dans ton corps. Tu vas t'énerver. Tu vas serrer les poings. Tu vas rentrer. Tu vas tous les enchaîner. Tu vas tous les endormir. Tu vas te calmer. Tu vas te détendre. Tu vas voir que tu as rangé 4 mecs par terre. 4 mecs, tu les allongés par terre. Avec l'adrénaline, les nerfs et tout. Et comme je vous dis, wallah, chaque être humain, frère, a ça en lui. Après, il y en a d'autres, ils savent mieux s'en servir que d'autres. Tu vois? Et là, je sais qu'on part un peu, on s'éloigne un peu du sujet. Mais vous savez, mon but sur YouTube n'est pas de vous raconter ma vie. Même si je sais, des fois, ça peut en intéresser certains que je parle de moi et tout. Donc, je vous parlerai des fois de temps en temps de moi parce que je sais que ça vous fait plaisir. Vous me demandez, ouais, GameX13, tes pires conneries, nanani, nanana. Je vous les fais avec plaisir parce que je vous ferai ce qui vous fait plaisir. Mais il y aura toujours un arrière-goût d'histoire, mais aussi un petit vouloir. J'ai très envie à chaque fois de vous apprendre quelque chose dans la vidéo, vous voyez? Qu'un humain peut soulever des montagnes, voilà. Qu'un humain peut soulever des montagnes. Et ça, je te jure, frère. Enfin, c'est une façon de parler, si tu vois ce que je veux dire. Les joueurs ou les boxeurs, quand tu les vois, ils s'énervent et tout. Tu vois? Tout ça, c'est parce que eux, ils savent sortir le monstre qui est en eux, frère.
Et là, ils savent le sortir. Nous, on sait le sortir à des bons moments. Vous savez, moi, souvent, il m'arrive, quand il m'arrivait de me battre, je préfère que ce soit l'autre qui frappe en premier. Mais quand il frappe en premier, il a intérêt à me coucher parce que mes frères le savent. Mes frères le savent. Mes frères le savent parce que moi, déjà, quand je deviens ouf et que je me bats, c'est très très méchant. C'est pas beau à voir du tout parce que je peux être très très méchant avec la personne. Parce que juste en fait, avec le fait que la personne en face m'ait fait mal, tu vois, je deviens ouf. On a déjà fait mal à un pote à moi, un frère à moi. Sauf que moi, frère, je suis un mec, frère, raisonnable. Tu vas taper un pote à moi, je vais venir, je vais me mettre au milieu, je vais dire, ouais, est-ce que toi tu tapes mon pote? Ouais, qu'est-ce que t'arrives? Tu vas me dire, ouais, ton pote, il m'a insulté ma mère. Il m'a insulté ma mère, il m'a craché dessus. Et je vais me retourner vers mon pote, je vais dire, écoute, ça se fait pas, frère. Je vais dire à l'autre, vas-y de ton côté, mon pote, je lui dis, vas-y, allez, viens, on se tire. Demain, mon pote, il se fait boulette par des mecs, et je vais leur sauter dessus. Ou demain, je sais pas, mon pote, il se tape avec un mec, c'est le mec qui l'a provoqué. Ah, mais je cherche même pas à comprendre. Mais je suis un mec, moi. J'ai un respect pour les autres en face. J'ai un respect pour le mec, on va dire, qui a frappé mon pote. Le respect, il est que si mon pote a cherché, bah, il a récolté. Après, si tu sais de mon pote, c'est normal que je vais te faire mal, tu vois. On est tous comme ça à l'intérieur. On est tous protecteurs. On protège tous nos potes, nos frères, nos cousines, nos cousins, nos mères. Surtout moi, quand je vous dis pote, je vous parle d'un vrai pote. Vous voyez, d'un vrai frère. Moi, j'en ai pas beaucoup des potes, hein. Les potes, ils se comptent pas sous les doigts de la main. Tout simplement, les frères. Et ça, n'oubliez pas ce petit mot-là que je vous ai dit, là. Les frères, ça ne se compte pas sur les doigts de la main. Eh ouais, vous en avez trop de doigts, mais pas trop de potes. Ouais, tout simplement, les gars. Donc voilà, j'espère que je me suis pas trop éloigné du sujet, les gars. Parce que, en fait, j'essaie de vous expliquer tout ce qui peut arriver chez un humain avec la peur. La peur, ça peut éventuellement rendre quelqu'un dangereux, la peur. Vous voyez? Quelqu'un, demain, en Amérique, par exemple, hein, attention, quand je parle de peur, je parle de peur en général. En Amérique, on entend souvent parler d'histoires de mecs qui se font taper à l'école, ils se font tabasser, et par peur, ils ont un gun sur eux. Ils mettent le gun sur eux, et par peur, quand leurs amis, enfin, quand leurs collègues ou leurs amis d'école les frappent, ils sortent le gun et ils tirent sur tout le monde. Et ils tirent pas sur tout le monde parce que c'est des tueurs. Ah non. Ils tirent sur tout le monde parce qu'ils ont peur. Tellement ils ont peur, ils savent pas ce qu'ils font. Eh oui, pour vous dire à quel point la peur, ça peut rendre quelqu'un dangereux. Et même vous, hein, je vais vous dire un truc. Méfiez-vous si vous faites peur à quelqu'un. Parce que vous connaissez le proverbe, méfie-toi de l'eau qui dort. Eh, méfie-toi bien de l'eau qui dort. Parce que un jour, frère, tu as emmerdé quelqu'un de ton école. Un jour. Il aura tellement peur de toi qu'il voudra te faire mal avant que tu lui fasses mal. Et lui, frère, avec la peur, comme il m'est arrivé à moi, frère, avec le chien, j'ai eu peur, j'ai couru tellement, je savais même pas ce que je faisais, frère. Eh ben lui, il aura peur, il saura tellement pas quoi faire, il sera tellement perdu dans sa tête avec la peur qu'il viendra et t'enfoncera un couteau dans le dos. Et pour lui, dans les secondes qui viennent, quand il t'enfonce le couteau, ce sera normal. Après, quand il va plus avoir peur, il va se calmer. Il va dire, oh, putain, j'ai fait une connerie. Tu vois, le mec, il a fait un truc de ouf. Il a planté un autre mec. Alors méfiez-vous bien à qui vous faites peur, les gars. La peur d'un humain peut se retourner contre vous. Et vous pouvez le payer cash. Quand je dis cash, c'est cash, hein, direct. Coup de pelle dans la tête ou un truc comme ça va vite. Hein. Ça va très très vite. Alors méfiez-vous. Faites pas de bêtises. Ne victimisez personne à l'école, vous ne serez pas plus fort comme ça. Ok? Tout simplement, les gars. Ne victimisez personne. C'est les plus faibles qui cherchent à victimiser les autres. Pourquoi, si t'es haut, pourquoi chercher à rabaisser les autres? Reste où t'es, frère. Tout simplement, reste où t'es et comme t'es, frère. Tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous voyez, les frères. Vous n'êtes pas des hamars, vous n'êtes pas des ânes. Vous comprenez très très bien où je veux en venir, ok? Ok, les gars. Je vais vous laisser. C'est la fin de la vidéo, les frérots. C'était votre tonton. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à checker la description pour me suivre sur Twitter ou sur Facebook. Et n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. Je compte sur vous. Et pourquoi pas à la partager si vous l'avez vraiment adoré, les gars. Allez, tchuss!